Salutations, chers amis fidèles téléspectateurs de CongoDialogue.com, YouTube CongoDialogue, de choisir ce programme et être connecté, branché dans cette émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est Josué Bolo à l'international. Très ravi de savoir, de faire partie de cette émission et je suis vraiment convaincu que vous êtes toujours édifié, béni et instruit. Et informé au travers de nos émissions, n'est-ce pas, non seulement l'émission de Bolois, mais tant d'autres émissions que nos confrères, nos consoeurs aussi vous présentent. Comme vous savez, ce site de bonne manière est coordonné, présidé, fondé par la grande dame Francine Ngembe de la Belgique, maman Francine de la Belgique, Francine Ngembe, coordinatrice Mokwa Mayele. Mayele. Ensuite, pour la journaliste, il y a Mayele. Pétopé, c'est notre émission, il y a Maëlle, et puis vous informez à temps réel. Voilà, comme vous savez, on s'approche petit à petit vers la fin de l'année 2018, et je profite de l'occasion pour vous souhaiter des Merry Christmas, joyeux Noël à vous tous, abonnés de Congo Dialogue, et puis vraiment plein succès, Happy New Year, et puis vraiment un meilleur vœu à vous tous qui vous êtes abonnés pendant toute cette année 2018. Voilà. Petit à petit, on s'étend vers les élections, mais j'aimerais juste vous balancer un extrait des messages. C'est juste une prière que l'homme de Dieu a voulu invoquer, convoquer à l'Assemblée, à la personne de Francis Tatou, le prophète Francis Tatou. Il dit ceci, je vais balancer cela pour suivre. La plus sage de présenter cela. J'aimerais juste dire, de tous les candidats qui sont en train d'aller à la présidentielle, il y a un dont les portes lui ont été ouvertes pour faire, je ne dis pas pour arriver au sommet, mais pour avancer. Je vois cette personne être disqualifiée et remplacée par quelqu'un qu'on avait disqualifié ça fait quelques années. Prenez ça juste comme ça. Une personne en train de monter. J'essaie de trouver les mots qu'il faut parce que j'ai vu clairement la scène. Et quand Dieu m'emmène dans les prophéties des nations, ce n'est pas des choses que je vois en tâtonnant. Je les vois clair dans mon esprit. Et je vois Dieu faire grâce à quelqu'un à cause de son cœur qui s'était prédisposé à obéir à Dieu après un mauvais choix qu'il avait fait. Je vois Dieu le remettre sur scène et disqualifier une personne qui était très prometteuse. Dieu la mettre à côté. Même si vous n'avez rien compris, écrivez seulement. Vous allez à obéir à Dieu après un mauvais choix qu'il avait fait. Voilà, je crois avec la collaboration de Régis, vous allez suivre encore les images. Comment le prophète Francis Tatou, que nous saluons et nous respectons le travail qu'il est en train de faire au niveau de la RDC, une nouvelle génération de prophètes au niveau de Kinshasa, RDC, qui fait un bon travail, n'est-ce pas? En fait, mon problème, comme vous savez, notre émission, c'est plus faire la réflexion, la connaissance, faire des analyses par rapport aux effets, par rapport aux paroles, par rapport aux interviews, par rapport aux réactions des gens qui se passent, par rapport aux gens, leurs idées, qu'est-ce qu'ils veulent parler, décortiquer un peu, réfléchir ensemble avec vous d'autres. Nous allons réfléchir ensemble. En fait, il a bien dit, Dieu a fait grâce, il voit, Dieu fait grâce à quelqu'un qui a un cœur qui a, à cause des mauvais choix, bon, en fait, il n'a pas bien maçonné la personne en question. Parce que Toyebikaka, selon l'histoire, il a que Étienne Tshisekedi, plutôt Félix Tshisekedi, Chilombo, Yende a Kendaki na Genève, ensemble, pendant que nous avons candidat commun, Yende a Salaki d'abord au choix, n'est-ce pas, après s'est décidé, à retirer sur nature, n'est-ce pas, ensemble, dans Vital Kamere, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas qui est-ce que le prophète Tatou fait allusion ou fait mention. Il dit recevez seulement, nous allons prier. Habite au Bonela de façon que nous avons balingé la grâce à cause de son cœur qui était prédisposé à obéir à Dieu après un mauvais choix qu'il avait fait. J'ai dû voir Dieu lui remettre sur scène, Dieu la mettre à côté. Voilà, il voit Dieu faire grâce à quelqu'un à cause de son cœur qu'il avait disposé. Bon, je ne sais pas qui est la personne en question. Le prophète Francis Tatou fait allusion ou fait mention. Donc, n'allons pas balancer vidéo juste pour te réfléchir ensemble. Zanani.
Nous devons prier. Je cherche la manière la plus sage de présenter cela. J'aimerais juste dire, de tous les candidats qui sont en train d'aller à la présidentielle, il y a un dont les portes lui ont été ouvertes pour faire, je ne dis pas pour arriver au sommet, mais pour avancer. Je vois cette personne être disqualifiée et remplacée par quelqu'un qu'on avait disqualifié ça fait quelques années. Prenez ça juste comme ça. Une personne en train de monter. J'essaie de trouver les mots qu'il faut parce que j'ai vu clairement la scène. Et quand Dieu m'emmène dans les prophéties des nations, ce n'est pas des choses que je vois en tâtonnant. Je les vois clair dans mon esprit. Et je vois Dieu faire grâce à quelqu'un à cause de son cœur qui s'était prédisposé à obéir à Dieu après un mauvais choix qu'il avait fait. Je vois Dieu le remettre sur scène et disqualifier une personne qui était très prometteuse. Dieu la mettre à côté. Même si vous n'avez rien compris, écrivez seulement. Vous allez voir cela se réaliser dans les jours qui sont en train de venir. Parce que selon l'analyse, ça c'est mon opinion. Félix, numéro 20, le président Félix Tshilombo Tshisekedi, il y a un mauvais choix. Bon, à Kenda qui est dans le lycée Bosangani, après, na la mouka bendani nae, le loyo, azo sala e mogo cours normal nae, azo sala ba campagne nae, ça et là, d'ici là, jusqu'à Boaz dans Lubumbashi, ça et là, ainsi de suite, babalouka. Voilà. Il y a aussi un extrait, il y a notre bien-aimé, l'artiste musicien chrétien, Mike Kalambay. Mike Kalambay aussi a bien dit, na émission, na plateau, il y a B1 Music, où il a présenté na notre frère, le confrère Papimbo Mapi M. Voilà, mais je me dis, peuple congolais, partout où vous êtes. Et ça, moi, je sais, ça n'a quoi. Je sais pas ce qu'on a répondu à la question. C'est-à-dire que. Et ça, vraiment, là. C'est-à-dire, peuple congolais, partout où vous êtes, votez pour le candidat numéro 20. À mon avis, c'est le meilleur. Félix, tu sais qu'il dit Tshilombo, Antoine. Le meilleur. Croyez-moi. Même toi, mon coton. Yo, ça, conscription. Mon frère. Zélara. Et ça, non. Ah, salutations à toi, mon frère Papi Mboma. Il a bien dit, alors il sera un peu de trop que, il y a un choix à peu plus ça. Félix Tshisekedi, tu vas voter le candidat numéro 1. Maintenant, je me suis demandé, oh my goodness, prophète Francis Tatoua Lobi, nous avons dit, hein, favori na Congo, Emmanuel Chadari, parce que jusqu'à preuve du contraire, Kinshasa partout, Mtasimi force Makasi et Emmanuel Chadari. Alors, selon la prophétie du professeur Francis Tatou, dans Akoki Kozala disqualifié, choix Onzambaponi, Eza numéro 20 qui est Félix Tshisekedi. Ça, c'est mes analyses. Hein. Je ne sais pas nos amis de l'UDPS, nos amis de UNC, nos amis de majorité. Vous avez aussi votre point de vue à mettre là-dessus. Parce que Mike Kalambay a confirmé, par le Bibatouba pour Nanabango numéro 20, qui est Félix Tshisekedi. Il y a des choix. À peu six points de vue, naïe. Bon, je sais que Congo, tout ça, un peu le même problème. Il y a liberté d'expression. Et maintenant, je me pose la question, quel est le sort de Mike Kalambay après avoir quitté le plateau de B1 télévision? Quel est le sort? Je ne sais pas encore. Je dois me demander, je dois me renseigner. Est-ce qu'il était safe? Est-ce qu'il est bien portant? Aza bien? Est-ce que Tungi s'y était pour Ekoto, sur le Bikakumba, Mtumongo, pour Ekom, non, problème? Or, na bamboka loka toza na Afrique du Sud awa mutina mtaza na choix ne quoi ba Julius Malema ba DA bazana ba choix ba loba na bango vérité na parlement donc bazana liberté d'expression, c'est ça un pays démocratique. Alors je ne sais pas sur Mike Kalambay parce que lobi na singi na peuple va voter et vous savez Mike aza public figure aza figure moko un peu public donc des fois bat balinga 4 ba cause à musique na elle bat ba soutenir à œuvre na elle donc soit lobi bon sait que. Je me rappelle, papi mbo mamega meme kotami kotuna, est-ce que Mike, est-ce que ça pena yo? Est-ce que ça penza yo? Est-ce que zuba mambo zoloba? Est-ce que zuba pena makamo zoloba? Est-ce que ça parce que za Mike Kalambay oza muluba te yango, o lingi pe batunyo soto ba luba nyo soba voter, tu sais que d'où comment? Ça c'est une bonne question que papi mbo m'avait posée. Moi si je me pose la question, est-ce qu'il fallait que tous les Congolais ba voter, Félix Tshisekedi, parce que aza candidat, n'est-ce pas? Est-ce que aza candidat? Voilà. La conversation va continuer. Na tiki bisoto utiliser ma clavier na biso. Je vous balance encore la prophétie, la prière
et puis la révélation que le prophète Tatou a pu nous donner. Qui est celui-là que Dieu a choisi et qui est celui-là qui a été disqualifié parce qu'il était le préféré? Ça, ce sont mes analyses. Mais nous pouvons dire que les téléspectateurs, maintenant, en dehors de cela, où sont les prophètes? Maintenant, d'ici là, nous sommes dans une semaine, il y a élection. Le prophète Bozawa, puis il y a un ainsi dit l'Éternel. Vous êtes où? Ça, c'est une question que je me pose à tous les serviteurs, à tous les hommes de Dieu. Bon, peut-être il n'y a pas encore le message, hein? Juste Boloa qui est derrière la caméra. Peut-être il n'y a pas encore le message. Donc, peut-être que le prophète nous a un message dans la minute. Le professeur Kiti, Chadar, nous a présenté, Félix nous a présenté, mais pas encore. Ou soit, Félix a regagné, mais pas encore. Non. Si réellement vous êtes des prophètes, ainsi dit l'Éternel, que Dieu a vraiment parlé, viens même à Bengata dans WhatsApp. Bengata Boloa, je suis en Afrique du Sud ici. Mon numéro WhatsApp est là. Je vais faire passer le message que ainsi dit l'Éternel avec exactitude, avec clarité. Ma prophétie sur Gaga, tu sais que non, na mon maman non doki, papa na zan doki. Oh, mon dieu, souvent besoin non qu'on a été de ma prophète, ma prophétie m'a l'air tout beau yango. Pour le moment, quand on a besoin d'une prophétie. Accurate prophecy, comme on dit en anglais, accurate one for my country Congo. Talanone ba sabotage salami. Entrepôt Seni et Tumbami. Combien de machines ziki na minute? Élection à la. Est-ce que le prophète va monter avec un entrepôt Ezika? Est-ce que Gazo est qui faillit? Le prophète va monter qui a monté? Où sont les prophètes? Le prophète est ceux qui n'ont rien à voir. Le prophète est mon local. Le prophète est qui a bas quartier. Non, on a quoi on a? Bah tiens ni tout ça. On a quoi on a bas salib tout ça? Non. On a besoin de prophètes. On a besoin de prophètes des nations. C'est ça le temps. Bon, si Dieu ne parlait pas, on n'en discutait pas. Mais si Dieu parle ou si Dieu a déjà parlé pour ce 23 décembre, vous êtes où? Viens nous révéler cela. Tout le monde est déjà prophète Tatou. Je ne sais pas si c'était passé dans les réseaux sociaux, tout dans ma chaîne à télévision Congo, mais si nous avons eu ça dans nos réseaux sociaux, prophète Tatou Alobi Nae, Abopi Otanga Kombo, le prophète Francis Tatou. Abopi Otanga Kombo Alobi, Tamouni Kaginza m'a disqualifié Moko, Moussou à cause de mon thème à Zanango, et à Salaki mauvais choix, nous avons menacé Wana, pour comprendre Nora Ningwana. Alors, maintenant je lance l'appel, je place l'interpellation à tous les prophètes, ceux qui s'appellent des prophètes. Hein, ils ont le ministère prophétique de voir, prophétiser, c'est prédire, n'est-ce pas? Bozawapi. Boyebi Sabiso, qu'est-ce qui va se passer le 23 décembre? Boyebi Sabiso, qu'est-ce qui va se passer le 23 décembre? Et après le 23 décembre, qu'est-ce que Dieu dit? Ma prophétie, c'est qu'il y a un bandaku. Naba une intercession. Sernangana, mon frère Ranoza Landaza Ayete. Mon frère Tika Mamawana. Mon frère Tika Serwana. Non? Ma profession est un Nengwana. Non, nous ne voulons pas de telles prophéties. Maintenant, la RDC a besoin de prophéties. Accurate, concret, après les 23, qui sera président? Parce que maintenant, tout le monde a machine à voter, un pouvoir en place, malgré tout ça, la même dans le salon déjà. À table entrepôt Ziki, mais cela n'empêcherait pas qu'il y ait des élections avec les machines à voter. Maintenant, les prophètes, vous êtes où? Qu'est-ce qui va se passer avant les 23? Et qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui va se passer après le 23? Parce que la population congolaise est maintenant dans la peur. Nous avons besoin de temps, c'est ça le temps. Il faut qu'il y ait un vrai prophète pour nous dire ça. Donc c'est un peu ça. Donc cela demande, on a besoin de ces prophéties-là. Je ne sais pas si Francis Bamour et les bourgeois vont me contredire. On a besoin de prophètes, hein? On a besoin réellement de vrais prophètes. Hein? Des prophètes like le prophète Yann, hein? Le prophète le palmier Joël. Hein? Bozawa, puis toi, on a besoin d'un message à temps de la fin. Tout ça, besoin de message, j'attends de la fin, n'est-ce pas? On a besoin de vous, les hommes de Dieu. Pour le moment, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au 23 décembre? Parce que maintenant, apparemment, l'église a backslide. Hein, a go, quoi, a backward. L'église est ici, mais est-ce qu'elle a un prophète, quoi? Les politiciens. Alors, ma question est de savoir, est-ce que les politiciens veulent nous apporter quelque chose de meilleur?
Est-ce qu'ils vont nous donner quelque chose de bon? Est-ce qu'ils vont donner le mora bien et l'homme a bien pour un changement en Mboka? L'église, vous êtes où? Hein? Prophète a tout, a peu sinéga na bakode. Mais nous avons besoin de détails. Bah, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a de ceux-là qui disent. Nous ne voulons pas qu'après les 23 bois, non, non, Nzamba, c'est qui n'a boué, c'est quoi ça l'inde boué. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que des prophètes qui nous disent maintenant là, les 16, les 15, les 17, les 18 avant les 23. Ou même pendant que les gens votent, on a besoin de prophètes qui disent que non, Nzamba, c'est qui mon tout boire au longwa. Shadar au longwa, Félix n'a président. To, qui encore, Vital Kamere Ndaza boué. Ote Joseph Kabila, c'est ça, on a besoin de ça. Nous ne voulons pas qu'après les 23, Ote Nzamba lobi, Neza boué badboa koufa. Comment Malika Aboma Batugaka? On a besoin de prophéties de vie. Alors, vous, les prophéties, ce que nous avons à Katia Bandaku, dans le groupe intercession, dans la réunion de prière, dans le mercredi, dans le vendredi, dans le samedi, dans la nuit de prière. Non, 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 non. Oui, on a dit ce qu'on ne veut pas. Je ne suis même pas contre la prophétie parce que j'aime la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, prophétie, c'est important. Et puis, prophétie, on a 3 missions. Donc, quand tu dis la prophétie, c'est pour édifier, encourager. N'est-ce pas? Parmi les 3 missions, la seule prophétie, c'est pour édifier et à prophétie. Prophétie zola est sabato pongite. Prophétie nous sommes matuka na ba trouble. Prophétie zo kabola mabala. Prophétie zo kabola ba famille. Prophétie zo kanga ba bandoki. Quel genre de prophétie? Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un prophète dans le temps de l'Ancien Testament. Alors ben non, na moni nzambe yo zabu tete. Le loso ko kwe na campagne na yo zanoko na. Quel genre de prophétie? Pourquoi prophétie qui te que non mon temps pas mon miboé et ça non qu'on a un tapam bolio prophétie d'arabe prophétie malheureux. Non, non, nous voulons pas ça. Alors, un sujet à suivre, un débat à suivre, la conversation continue. C'était un peu l'extrait. Nous voulons un peu analyser ce que le prophète Francis Tatou a pu donner dans son église par rapport à l'événement à l'élection, la campagne électorale n'est aucun délai à PCA. Mike Kalambayi, hein, Mike Kalambayi à Shekina Music, le président, il y a MK Production. Il n'y a pas le but que non, bah, tu vas voter dans mon numéro 20. Attends, il y a tel que numéro 13, donc le numéro 4 n'a parlé même pas. Mais il est habité. Ah, il y a Mike. Il est libre après tout. Il est libre de faire son choix. Vous aussi, vous êtes libre. Toi aussi, tu es libre, mon frère, ma soeur. Moi, je suis un compatriote congolais dans la diaspora, place aux alliés. Vous êtes libre pour voter votre nayo. Numéro 4, Martin Fayolobi. Alors qu'il y a une élection, mais il y a sa machine à voter. C'est-à-dire qu'on contredit la machine à voter. Mais si quoi, il y a une contre-machine à voter. C'est ni si mamie ma corne nanga. Tu as peut-être qu'il y a une machine à voter ziki kuna. Dans l'entrepôt. Voilà, à suivre tout le monde dans l'enquête nanga. Voilà, on a besoin d'un dialogue. Mais il y a aussi la campagne à suivre. Moi, c'est Joseph Bola International. Je suis à la fin de mon intervention. Ça, c'était ma réflexion. C'est à vous aussi de prendre, contribuer, benga, WhatsApp, Imo Bissot, WhatsApp Bissot, Facebook Bissot, n'est-ce pas? Instagram et Bissot. YouTube, c'est Congo Dialogue. Abonnez-vous massivement. Et vraiment encore meilleur, plein de bonnes choses. Tu as presque en décembre. Zala na yo-yo. Il y a Olié et mon ami Olié. C'est ça, on a été comme ça. Donc, décembre, ça a été comme ça. Et puis, ça stress. Il n'y a pas de combien de bonnes choses. Il y a chaque bonne chose. Il y a un Christmas. Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a stress. Oh, mon ami, tu salis. Oh, mon ami, tu commis ce qu'Nzambe a ainsi que Zobanda. N'est-ce pas? Tout ça toujours safe. Tout ça toujours safe. Tout ça toujours safe. Et à te dire, 8 ans, le Congo, l'angoua au Bossani. Tete. Zala poser papa, zala poser maman. Il y a mon ami, bolé na famille, journée l'équi. Soit peu mon ami, tu commis ce qu'Nzambe, tu l'équi. Tout à l'heure, tout le prophète. Nga Boloa, na zoze la prophète a télé maloba. Qui est le 23, Moutubouinda Roleka. Le 25 mutubwa ko leba tambo sala oyi mutubwa ko leka na 2019 Congo rozala boye Jos Boloa mutasimba kamera ma Francine Ngembe merci la conversation continue tous a toujours branché connecté na 3W Congo dialogue merci à vous tous obolinga biso mingi Carmel merci Linda merci na Kinshasa Coco Kapinga merci à toi na niveau Pretoria. Nabosani Sunani. Nanangimbi, merci à toi. Bah, oh, bah, ça vraiment abonné massivement. Ah, Nabosani, t'es Raïs, Aristote, na Paris. Oh, bah, toujours Nabosani, Nabosani, Kayo. Aristote, na Paris, Ndembo, Arista. Idriss, Nabosani, t'es na niveau Kinshasa.
Didier Kungana niveau à Suisse. Eh, Yolande Nakatia Suède, Yolande Nakatia Suède, Yolande Nakatia Suède. Yola, 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 Navo Sanyo, Tetalarayo. Voilà, et tous les amis qui nous aiment. Navo Tanabisson, Yor Souté. Vraiment, c'est Steph. Vous êtes toujours prudent, vous êtes toujours anglais, veillez toujours. Tous à tout, ba fanatique. Tous à la tour, on a peine à Mboka, on n'est pas au Oh, même si on a Katia Bonner à Mboka, tu votes. Oh, quoi, Mbriébiso, tu es Libanda. N'a qu'à consulter base.